Les frontières sont fermées, messieurs, dames. Je vous en prie, c'est une question de vie ou de mort. Le territoire est déjà surchargé. Nous pouvons accueillir plus de migrants. Reculez. Je vais le poutrer. Je t'aime bien, Dieu, mais je parierai pas un dollar sur toi. Merci, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore perdu ses cheveux. On est dans la merde. Aujourd'hui, c'est Trigo. Et vous fermez tous vos mouilles. D'accord. J'ai des slides. Un rond avec un truc là, on s'en fout. On est perdu. Ouais, on a trop de perdu ses cheveux. Bientôt Poutopi sera rasé. Rasé... genre une petite brosse quoi, non? Ah non. Le désert. La lande aride. Dans le jargon, on appelle ça... la Barthèse. Allez Pouilleux, venez nous aider à monter la tente. Non mais avec de la chance, on aura peut-être la couronne à la Junio. On sera les uns sur les autres. Là, ça finira en pour tous tout ça. Non mais évidemment, avec sa thèse, ses élèves qui le stressent, et puis le fait qu'il se gratte la tête, eh ben ses cheveux tombent, et nous avec. Ah, c'est dommage quand même, pour une fois qu'un autre nous gardait. Sans nous tuer en plus. Oui, totalement. Oui. Il est con ce mec. Et alors voilà. Non, non, mais c'est bon, je vois bien quoi vous pensez, hein. Bah oui, je me gratte la tête toute la journée. À votre avis, c'est parce que j'ai des poux, voilà. Voilà la vérité. C'est... non mais c'est la seule chose qui me reste. Ça me prouve que je... que j'en ai encore des cheveux. Mais j'ai rien dit, moi. La Trigo. Bon, on plie les gaules, là. Le jour se lève. Vous en merde. Du coup, on va où? Trouver un nouvel hôte. Alors moi je garde et du jour au lendemain ça vous tombe dessus, comme un cheveu sur la soupe. Mais vous savez, on est dans la même chevelure, monsieur. Monsieur? Tin. Coutine. Oh. Maman! Arrête de te maquiller comme une poutre! Oh. Arrête de la taquiner. J'aime bien son air de camion volé, moi. Papa? On va où? On va là où il y a des cheveux. Parce que là où il y a des cheveux, il y a de la main d'œuvre. Et là où il y a de la main d'œuvre, bah, on peut construire quelque chose. Quelque chose de grand. Je vais vous le construire, moi, ce truc, y'a pas de soucis. Bon, alors là, on part sur des poutres apparentes, hein. Un truc stylé. Bon, pour les joints, on a un peu de tout ici. Gel vivelpou, fluide en tout genre. On va pas être boudeur. On est sur quelque chose de rare dans le bâtiment. Du rapide. Bon, d'accord. On fait ça. Bah là du coup c'est bon, moi j'ai mon check-up, c'est bon, c'est terminé, le plan est terminé, on peut faire le pont, on entame la construction. Alors à un moment là Poupa, va falloir prendre une décision. Les poutres, la couleur plutôt anthracite ou aquila? Non, parce que là je me disais, c'est du rapide la construction, on pourrait peut-être s'en passer. Mec, ce plan, je
faut que tu me le poufines. Sinon, je suis out. Bonjour. Tu vas faire poutre ? Merci. Poupa, c'est quoi un chauve ? Poupa, c'est quoi ? Chut ! Faut pas dire ce mot, lentille. Compris ? Oui, Poupa. Mais pourquoi ? Parce qu'un chauve, c'est un mec qui a pas de cheveux. Du coup, il n'y a pas de forêt. Et la vie, c'est plus possible. Voilà. Poupa. J'aime pas les chauves. Je suis si fière de toi. Tu es un héros pour ces gens. Ouais, peut-être. Mais toi, toi entre toutes les chevelures, tu es la poubelle. Comme vous le savez, notre hôte est prof. Cela veut dire qu'à un moment donné, il sera obligé de se rapprocher de son élève pour lui expliquer un exercice. Non mais c'est n'importe quoi ce que vous avez écrit là. C'est O-B-O-C avec une flèche. Ou profiter de la vue. Ce sera le moment critique. Notre but sera de construire un pont entre les deux hôtes. Ce combat, c'est pour la survie. Nous devons le mener corps et poing. Si nous échouons, il n'y aura plus personne pour pleurer. Le pont n'a jamais été aussi long. On va y arriver. Ah mais il est dur quand même cet exercice. Il donne ça aux gosses. Regardez! Sauf qu'il pousse! C'est vrai que vous perdez vos cheveux. Non mais de quoi je me mêle? Mais le prenez pas comme ça. C'est pas une fatalité. Mon père travaille là-dedans. Je peux lui en parler. Parle.